L'Euroleague, phase de groupe aujourd'hui, Pierre. Oui, c'est le match que l'on va suivre dans quelques instants, des rencontres aller-retour où il faut prendre un maximum de points pour espérer aller dans les matchs à élimination directe. Première journée de ce groupe de la Coupe européenne. Vous avez une petite idée sur ce qui pourrait se passer, Pierre? À la lecture de l'effectif du club et du niveau de jeu pratiqué, je dirais Schalke 04, c'est mon favori. L'équipe à domicile, donc voici la proposition. Le schéma tactique de l'équipe, mise en place d'un 4-5-1. Un message clair, étouffer le jeu de l'adversaire dès qu'ils essaient de passer à la ligne médiane. La proposition de l'équipe visiteuse à présent. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. L'équipe qui, on le rappelle, sort d'une défaite à domicile. Ah, c'était sur le score de 2-0, mais je les vois capables de s'imposer aujourd'hui. Bon, un stade qui ne paye pas une mine, mais qui est quand même capable d'accueillir 22 500 spectateurs. Tu te rends compte? C'est fou, hein? L'arbitrage de cette rencontre a été confié à M. Eimo Wasserstädter. Ce premier match de la phase de groupe de l'Euroleague qui va bientôt débuter. Oui, c'est le début d'un mini-championnat de 6 journées. Attention, il a du champ devant lui. Et la voilà la frappe. Oh, il peut s'en vouloir d'avoir manqué cette frappe. Ouais, c'est pas très bien réalisé comme geste. Il y avait vraiment autre chose à faire là. Stéphane Badji, Yorick Ilmans. Bon jaillissement du défenseur sur cette interception. En 1-2. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Il prend la frappe. Ah oui, cette fois c'est fait. Il était dans la surface et il frappe en force sur la droite du gardien. Attendez qu'on voit ce but d'un autre point de vue. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Stéphane Badji récupère ce ballon dans l'entrejeu. On s'approche du but. Ah ouais, ça c'est bien, sur l'aile. Et il a du soutien autour de lui, c'est bien. Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. Ouais, bon tacle, hein, il lui a pris le ballon. Et il a perdu son ballon. Le redoublement de passe, bien joué. Anthony Annan.
Peut-être une bonne opportunité, attention. Le ballon. Ah oui, le tir. Oh oui! Et ça fait deux pour lui. Un doublé pour ce joueur. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Yuriti Mats. Issac Kiesetelin. Allez, dans le couloir. Ils construisent patiemment. Ils attendent l'ouverture. La tête est propre. Le ballon toujours en jeu. Ouais, bonne transmission. Il s'avance vers la surface. Ah non, c'est pas bien fait ça. Yuriti Mats. Issac Kiesetelin. Oui, ça circule bien. Ils construisent tranquillement. Ouais, le tir. Et le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Ce sera donc un corner. Allez, pour revenir à un but. Ouais, bien défendu, il y avait un petit peu le feu. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, le bon centre là. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. Le ballon qui sort donc en corner. Ouais, sans aucun danger hein, pour le gardien qui s'empare du ballon. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Ouais, changement de possession, il va falloir se réorganiser. Il la joue un petit peu comme au hand, hein, on fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ah, elle a lutté après pour reprendre ce ballon. Ah, non, finalement ça a été intercepté. Bonne anticipation sur cette interception. Issac Kiesetelin. C'est dégagé. Alors, touche longue, une touche courte, on va voir. Yuriti Mats. On s'approche du but. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Il a choisi de centrer. Ah, il a bien lu ce centre, le gardien. Yuriti Mats. Stéphane Badji. Ils ont décidé de poser le jeu,
d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Oui, c'est le face-à-face avec le gardien. Attention, le tir et l'arrêt du gardien. Corner, indique l'arbitre. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Yuri Tillmans. Ah ouais, bien donné en profondeur. Yuri Tillmans. Bonne interception, il est sorti de nulle part, il a jailli. Anthony Annan. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Non, non, ça ne passe pas. Et la voilà la frappe. Et c'est pour le gardien. Allez, corner donc. Elle a complètement manqué son tir. Rien de transcendant dans la prestation de ce joueur aujourd'hui, Pierre, hein, n'est-ce pas? Quand on se crée aussi peu d'occasions et qu'en plus on n'est pas efficace, ben, les joueurs adverses prennent confiance et vos coéquipiers peuvent se décourager. Il va falloir quand même qu'ils se réveillent. Hein. Ouais, excellente interception, bien joué. Attention, ça peut être dangereux. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Il s'est dégagé du point. Le tacle est propre, efficace. Et le break peut être fait à la pause. C'est l'habitant à l'instant. Le score pour le moment 2-0. Il a signé tout simplement une première période de rêve. On ne peut pas faire mieux, Pierre. C'est un doublé qui a eu son importance dans cette première période. Son équipe a le match en main désormais. L'entraîneur qui a fait signe qu'il y aurait un double changement. La seconde période qui démarre à l'instant même dans ce match d'ouverture. La première période a été plutôt intéressante. Avec, c'est vrai, quand même un petit peu de nervosité de part et d'autre. Il faut voir ce que ça va donner. On est dans une phase de conservation du bal en attendant l'ouverture. Allez, bonne touche dans le camp adverse. Il lui donne en profondeur. Sur la frappe, ouais, l'arrêt du gardien, prise de balle parfaite. Il passe au millimètre. Ah, le bon tacle, ce sera une touche.
Ouais, peut-être une situation intéressante là. Le ballon qui passe d'une équipe à l'autre. Stéphane Badji. Issa Kiese-Tellin. La rumeur n'est plus une rumeur. L'information a été confirmée. Marco Verratti a signé au Bayern Munich en provenance du Paris Saint-Germain. On ne sait pas vraiment le montant exact de la transaction, mais je peux vous dire que c'est un sacré paquet de pognon. Hein. Est-ce ce ballon qui traîne? Et ce ballon qui est récupéré? Et si on en reste là, eh bien les joueurs vont signer un superbe exploit. Ouais, attention, tu ne vas pas leur porter la poire. Pas pour l'instant, ça tient. La frappe. Et c'est au fond. Et quelle précision, Hervé. Hein. Ça passe juste sous la barre. Ah, je me dis qu'il n'est pas joué ce match. Ah, t'as raison, Hervé. Il ne baisse pas les bras. Bien au contraire, il montre en bien. Ils seront là jusqu'au bout. Vers ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Un joueur qui cède sa place. Écoutez cette ovation de la part des supporters. C'est mérité parce qu'il a fait vraiment un gros match. Un petit but d'avance donc, le score est de 2 buts à 1. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Les 30 derniers mètres. Ouais, bonne séquence collective, hein. Bien joué. Tellin. Ils avaient l'occasion de revenir à la hauteur de leurs adversaires. Occasion manquée. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ouais, excellente récupération sur les côtés, ça va repartir. Adrien Trebel. Ouais, ça construit devant le but, sans se précipiter. L'égalisation au bout peut-être. Il avait une bonne occasion d'égaliser sur cette frappe. Il n'est pas un peu précipité là. L'entraîneur qui ne prend plus de risques, hein, qui veut conserver ce résultat favorable. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Ouais, ils ont beaucoup à jouer là, attention.
Allez, il faudrait qu'il centre très vite. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Avec un tir. Et le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Le ballon qui sort donc en corner. Un joueur frais qui fait son entrée sur la pelouse. La mission, elle est simple, hein, aider à ses partenaires à tenir le résultat. La défense qui récupère le ballon sur ce corner. Ouais, le contrôle est bon. Il récupère ce ballon dans l'entrejeu. Un bon ballon d'attaque. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Ah, c'était pas loin, la petite passe piquée, c'était bien vu. Adrien très belle. On s'approche de la zone de vérité. Téline. Il avait l'égalisation au bout du pied. Ouais. Alors ça, c'est quand même le genre d'action qu'il ne faut pas rater. Ça part bien, action dangereuse. Attention le tir. Ballon bien négocié par le gardien. Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. Adrien très belle. Il prend sa chance. Ils avaient vraiment l'occasion de revenir au score. Ils viennent de la manquer. Stade qui souligne le côté un petit peu contradictoire de ce match. C'est le réalisme qui fait la différence. Hein. Il y a une équipe qui tente beaucoup mais qui est trop brouillonne. Il s'avance vers la surface. La priorité, elle va clairement à la défense maintenant. C'est très clair. Changement de tactique demandé par l'entraîneur. Place à la défense à outrance. La frappe. Ouais, le ballon qui circule bien, hein, ça joue vraiment bien. Ils sont à la lutte. Ah, cette fin de match qui s'emballe. Il reste plus beaucoup de temps et c'est un ballon très important. Peut-être le ballon le plus important de ce match. Les 9 dernières minutes du temps réglementaire. C'est un centre. Un bon centre, mais la défense qui se montre vigilante. Bonne anticipation sur cette interception. Tony Annan. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Oh là là, attention, il n'y a plus que le gardien. Ouais, le ballon qui est perdu. On entre dans les 4 dernières minutes de cette rencontre. Ouais, encore une passe. Téline. Ah, il manque un tir qui aurait pu faire du bien à toute l'équipe. Et il a voulu bien faire, mais peut-être même trop. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ouais, le défenseur. Adrien, très belle. Un magnifique plongeon hein, sur ce ballon qui était difficile à négocier. Ça va se bousculer au point de chute.
C'est repoussé par le gardien. Et il y aura 4 minutes de temps additionnel, Pierre. Ils sont pas contents, les supporters. Ils auraient préféré entendre le coup de sifflet final, c'est clair. Touche dans le camp adverse. On s'approche du but. En mise en touche. C'est la fin du match et c'est terminé sur ce score serré de 2-1. Ah, c'est une belle surprise hein, parce que personne ne les donnait favoris dans cette partie et à l'arrivée ils s'imposent. Il y a un peu d'espace devant lui.